c'est pour vous parler. Pour vous parler des régions. Les régions, c'est des organisations humaines qui ont un sens de philosophie avancée. Ces gens-là, ils ont étudié la philosophie, ils ont étudié les approches psychologiques, ils ont des formations, ils étudient les livres sacrés. Mais les livres sacrés, c'est rempli de manières de penser, de gens qui ont fait des erreurs, qui ont été corrigés, d'autres qui ont été punis. Vous regardez l'Ancien Testament, c'est l'histoire de Dieu avec le peuple, qui marche avec son peuple. C'est quand même des histoires, quand même des choses qui ont été interprétées. Dieu, à l'époque, il voyait n'importe quoi, un buisson ardent, il voyait sur le mont une montagne, c'est des extraterrestres qui apparaissaient sous des formes quelconques. Puis Dieu lui-même utilise les extraterrestres, il y en a qui sont des anges extraterrestres, il y a des anges de Dieu qui s'en vont dans les extraterrestres, quittent Dieu, s'en vont dans les extraterrestres, il y en a d'autres extraterrestres qui s'en vont avec Dieu, puis ils deviennent des anges. Bien, tout, mais Dieu, il accepte tout le monde, il t'accepte comme que t'es, il veut pas que tu reviennes en arrière, il t'accepte aujourd'hui comme que t'es, il t'aime comme que t'es. T'as des défauts, t'as des qualités, t'as des affaires que t'aimes, des affaires que t'aimes pas. Il va apprendre à t'aimer toi-même, même tes affaires que t'aimes pas, que t'acceptes pas de toi. Pourquoi tu les acceptes pas de toi, tes affaires que t'acceptes pas? Parce que quelqu'un t'a condamné, parce que t'as vu que c'est quelqu'un que t'as pas aimé. Faut t'apprendre à rentrer dans toi-même, mais celui qui te donne la vie dans tes cellules, il est dans tout, il est tout ce que tu fais, mais toute ta vie est toute programmée d'avance. C'est pas l'autodétermination. Mais non, mais Dieu, il s'en croit, il a acheté tout le monde. Tu as une carte prépayée, c'est comme une carte prépayée. Tout ce que tu as à faire, c'est la dépenser. Ah non, je veux pas que je suis écrit, je veux pas faire le mal. Tu peux pas faire du mal à Dieu. Il a fait le soleil, l'univers, il en a fait plus. Comment toi, petite tête, tu peux faire mal à Dieu? Dieu est sensible, oui. Mais tu peux pas faire le mal à Dieu. Lui, il pourrait, mais il fera jamais mal. Il t'aime. Il t'a toujours existé en dedans lui, il a toujours voulu te créer. Depuis toujours, Dieu a pensé à toi. Il a toujours pensé à toi parce que tu existais en même temps que lui, dès le début, que tu as existé. Il vient du Créateur, puis le Créateur a des lois qui sont auto-organisées, qui ont créé le Créateur, ça s'est auto-organisé. Il a sorti les dieux, les extraterrestres. Ça s'en va tout. Il y a des déesses qui font la vie des dieux, font des enfants, ils font d'autres dieux, puis c'est comme ça. Puis quand il n'y a plus de déesse, ben les dieux reviennent tout. Puis une déesse qui a perdu ses pouvoirs, parce qu'à force de donner les enfants, ses pouvoirs, elle devient une extraterrestre. Après ça, elle descend sur la terre, elle devient lui-même, elle s'en vient dans d'autres choses. Il y a une montée, puis il y a une descente. Mais Christ, c'est pas pareil. Lui, il est rentré dans les profondeurs de Dieu. Il est sorti de Dieu, il est rentré dans les profondeurs, il s'est purifié. Mais lui, il va toujours revenir. Puis ça, c'est Jésus. Tu vas toujours revenir, même si tu retournes dans le Créateur. Mais ça ne veut pas dire que tu ne souffriras pas dans l'éternité. Le homme des cieux, ce n'est pas une place, tu ne souffriras pas. C'est faux. Oui, tant que tu as l'abri, oui. Mais l'abri, il y a trop de facteurs. Le homme des cieux peut être détruit. C'est impossible. Dieu ne peut pas permettre. Il n'y a pas le choix. Il y en a des plus puissants que Dieu. Non, Dieu est le plus puissant. Non, 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 non. Il y a un Créateur beaucoup plus puissant que Dieu, puis il y en a d'autres dieux plus puissants que Dieu de la terre, puis il y en a d'autres. Il y a plein, un dieu peut à un moment donné prendre la place d'un autre, le dominer, il y a plein d'affaires qui peuvent se faire. Évidemment, avec les dieux, il y a une entente, il y a une communion entre les dieux, parce que ça vient tout des entrailles du créateur, des extraterrestres, mais on a des énergies différentes. On voit les choses différemment. La religion des humains, c'est pour aller dans une vie supérieure avec Dieu. Mais nous, les extraterrestres, on n'a pas la même affaire, on est dans d'autres dimensions, d'autres choses. On n'est pas pour aller dans une dimension comme les humains vers une autre vie. On a d'autres vies d'une planète en planète, mais nous, on est des extraterrestres. Fait que la religion, moi qui me disent que je suis marié avec une femme qui a des enfants, je ris de ça. Ils peuvent le dire tant qu'ils voudront faire du mal. Moi, ça ne me dérange pas, ça va leur revenir par la tête. Ils pensent faire le bien. Mais ils font le mal en pensant faire le bien, ils ne sont pas responsables, ils sont aveugles, c'est tout. Ils sont juste aveugles, ils ne peuvent pas croire que c'est une extraterrestre. D'ailleurs, il y a du monde qui n'y croit pas. Mais moi, ça ne me dérange pas, ça ne change pas ma réalité, ma vérité. Ce qui compte, ce n'est pas ce que le monde pense, c'est ce que moi, je sais de moi, avec Dieu et Christ dans la vérité.
Ça, je sais que c'est vrai. Mais si quelqu'un dit que tu es une menteuse, puis pas vrai, nous, on a la vérité. C'est correct, tu dois ton opinion. C'est correct. Ah oui, vas-y là-dedans. T'as raison, t'as raison. Si je suis Satan, Satan pour toi, c'est correct. Mais moi, Satan, je l'aime, Satan. J'ai rien contre lui. Pourquoi Dieu aime Satan? Satan vient de Dieu. Pas que Dieu est Satan, mais c'est un extraterrestre qui travaille pour Dieu. Puis, il a voulu prendre la place de Dieu, mais il a demandé à Dieu de devenir comme lui. Dieu n'a pas voulu. Il dit, correct, je m'en vais. Dieu dit, correct, m'a donné la terre, m'a donné d'autres planètes. Arrange-toi tes affaires, je te donne ça, ça, ça. Dieu l'aime, il donne des affaires. C'est juste une énergie différente. Bien différent, parce que l'énergie de Dieu donne la vie, l'autre ne peut pas, il n'y en a pas, il est séparé. Ben, c'est pas parce que tu es dans ce temps qu'il est nécessairement méchant, c'est juste que tu as choisi ça. Mais Dieu, il t'aime pareil encore, mais toi, tu l'aimes pas, parce que tu dis que tu es Satan. Mais Dieu, il t'aime encore. Si tu veux revenir, il va t'enlever les bras grands ouverts, parce que Dieu, il t'aime. Tu viens de lui, tous les êtres humains viennent de Dieu. Qu'il soit le Satan de n'importe quoi. Dieu, il t'aime. Moi, je suis un extraterrestre. Il m'aime. Je viens d'ailleurs. Mais il m'aime, Dieu. Il m'a crucifié. Il dit, tu m'appartiens maintenant. Si tu me suis crucifié, tu m'appartiens. Tu es un extraterrestre, tu es crucifié. Maintenant, tu m'appartiens. C'est comme ça. Puis après, je vais en vivre encore. Puis c'est pour la loi de Dieu. Je l'aime, Jésus. J'aime Dieu. C'est pas parce qu'il m'a crucifié que je vais l'haïr. C'est pas parce que je souffre des fois puis je vis des choses difficiles que je vais l'haïr. Je l'aime plus. Parce que plus tu souffres, plus tu te purifies, plus que tu souffres, puis tu as Dieu dans ton cœur, tu te purifies pour Dieu, tu donnes ça à Dieu pour sa gloire. Toi, tu n'as rien, tu n'as jamais rien, tu es zéro. Tu es zéro, mais lui, il est tout. Puis c'est dans ça que tu as une humilité, que lui, il t'aime comme ça. Mais non, le gars, il va être le meilleur. Ça va être comme le président des États-Unis, il va être le meilleur, le plus fort. Dieu, il aime de même, il l'a mis là. C'est Dieu qui l'a mis là pour qu'il accomplisse quelque chose que Dieu veut. S'il veut faire venir la fin des temps, il y aura la fin des temps. S'il ne veut pas, ça n'arrivera pas. Dieu l'a mis là. Dieu, il fait arriver le temps. Il joue avec tout le monde. Il joue avec le mal, il joue avec le bien. Tu ne peux pas aller dans le mal sans que Dieu le veuille. Tu ne peux pas partir du mal, aller dans le bien sans que Dieu le veuille. Dieu conduit tout. Arrête de faire de t'en faire. Fais confiance à Dieu au Christ. Tu n'aimes pas le Christ, c'est numéro 20. Ah ouais, dans Mahomet, ah ouais, dans Allô. Parce qu'Allô, c'est un autre Dieu. Puis il est aussi bon que Dieu Tout-Puissant. Ils sont deux amis ensemble. Puis Mahomet, c'est l'équivalent du Christ. C'est la même chose. Que tu sois dans n'importe quelle religion, tu as des dieux, puis tu marches avec tes dieux, puis tu fais le meilleur que tu peux avec tes dieux. Arrête de t'en faire. Qui va te condamner? Toi, tu peux te condamner parce que tu comprends rien. Tu n'as pas compris l'amour. Quand Dieu, c'est l'amour.